Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media Now. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media Now là. Bien, nous va pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Que ministre, ce maître Dorsey Berthaud, et qui a signé nous, pour nous capables de voir un signal clair dans la question de combattre l'insécurité foncière. Et que de quoi il s'agit aujourd'hui, nous dans la zone Cassagnol, Catalpa 6, et nous sommes requis par deux avocats. À la lecture de cette requête, et nous avons baissé des pièces et que nous avons fait constat, nous avons montré que c'est trois propriétés qui pour trois sœurs, frères et sœurs qui vivent à l'étranger. Et sous le marqué là, ou capable de barrer ça, nous sommes ordonnés, je l'ai ordonné pour péter lui. Nous sommes entrés dans le temps de nous mettons une nouvelle série là-dedans, et nous prenons possession avec Zamou. Et deuxième barrière noire ça, nous fait même action, nous ouvrons lui, nous prenons possession, nous mettons gardien là-dedans. Nous avons vu le gardien qui a volé le là. Parce que nous t'apprenons là pour te dire nous, pour qu'il y ait occupé spatio. Et troisième barrière là, ou la barrière mouche à le bois là, son troisième barrière, par contre, si nous sommes capables de monter une caméra là, hein? Troisième barrière ça là, devant la machine là, il y a gagné même, et action fait là dedans encore, il y a entré dans le cahier là, il y a vandalisé le cahier madame là, il y a botté cabane, meubles, et il y a botté ensemble de bagages frigidaires, etc. Et appareil très très coûteux, il allait avec eux. Et ils mettent une nouvelle série là-dedans. Donc c'est-à-dire que n'a pas annoncé à tout le monde que s'agissant d'un jugement qui exécutait son propriété, fonds et bâtisse ou ni propriété, eh bien n'a dit que moun contre lui-même, jugement exécuté, il est pour obligation constituer avocat pour faire procédure normale. Procédure régulière pour capable revendiquer bien ça. Cependant, s'agissant de dépossession irrégulière, un individu, un groupe d'individus d'affaires contre un propriétaire qui est Kaili, qui a une clôture, qui a une barrière fermée Kaili, il pas ici, sous prétexte que mon mouri, il n'est pas ici, il pas en Haïti, ou tu as changé ses rues, ou crasé barrière, ou crasé mur, ou entré. Et bien nous disons que vous mettez entrée en dans votre maman, vous n'avez pas de problème. Donc ce qu'on fait, c'est que Mounsao, c'est des nègres qui c'est des faussaires, son groupe de faussaires. C'est un baguenon, certainement. Mais n'apprenons quand même parce que tout est à tourner quand même dans le milieu. Mais ça qu'on fait ensuite. Je dis que nous baillons entrer des lieux, nous avons jus de paix qui est là avec moi, jus de paix de Delma. Et maintenant. Nous avons des policiers qui avec nous accompagnent dans l'opération ça, nous avons des greffiers là, mais greffiers là tout. Steve, nous avons des autorités policières qui là, qui accompagnent nous pour l'opération. Et nous avons aval ministre nous, qui dit nous avancer pour nous combattre l'insécurité foncière là. Et donc, le gouvernement tout entier a 20 dans son affaire. Et m'a dit que si nous, je dis encore, bon juge m'a exécuté contre. Propriétaire qui ont propriété fonds et bâtisse ou ni propriété quel que soit, nous n'avons pour constituer avocat pour faire procédure. Mais s'agissant de dépossession irrégulière, gens nous là, ils ont crasé barrière, ils ont mettez nouvelle série, ah ben nous avons pour obligation sans autre forme de procès, mettez nous en possession vu au vu des pièces que le verse dans le requête pour mettre en possession et que les prend calibre bien. Pour faire sale lavel. Et nous dit tout net qu'à pratiquer mode d'action ça yo ou mettre en train dans votre maman a un constat général que tout le monde capable fait c'est que majorité jeunes haïtiens garçons tant que femmes qui sortent ou bien dans le secteur enseignement professionnel ou bien sorti dans l'université yo qui très peu parmi eux qui jouent nos possibilités soit pour jouer notre travail ou bien créer propre activité par eux qui est capable
vraiment lancé en affaire. Et à partir de constat ça, il y a une synergie qui dégageait entre l'INFP et la Sofides et qui a supporté par la Banque caribéenne de développement pour permettre que nous lancions une expérience pilote de formation en entrepreneuriat pour jeunes. Et formation ça, que vous pouvez gagner, pour permettre que vous soyez capable non seulement de gagner de capacité, de savoir, que vous transmettez, que vous êtes capable eh bien, dégager dans la vie, mais en même temps, tout, après formation ça, meilleur jeune, meilleure prestation que nous sommes capables de recueillir à partir de ça. Ils sont capables de jouer une opportunité pour joindre une subvention pour capable démarrer propre activité génératrice de revenus. Ce sont des formations que nous avons lancées dans cinq grandes villes à travers le pays. Ville Zao, c'est Jérémy, c'est Mirbalais, c'est Port-au-Prince, c'est Cap-Haïtien et puis c'est Gonaïve. Donc nous avons une expérience qui peut partir avec 150 jeunes que nous avons recrutés. Alors ce sont des finissants qui gagne là-dedans garçon tant que fille, qui sortit dans le secteur enseignement professionnel là. Donc 150 jeunes AO qui recrutaient sous base eh bien, performance académique, sous base excellence. Donc ils vont participer dans la formation ça en raison de 25 par centre de formation, 25 par région. Donc les que vous prenez formation ça là avec Sofides, une formation qui gagne 5 modules là-dedans que vous pouvez transmettre. Et puis, vous pouvez gagner tout dans un deuxième temps, un coaching. Et de la part de cadre de Sophie Dessio pour permettre de monter propre activité par eux, monter plan d'affaires, monter business. Maintenant, après qu'on finit d'évaluer 50 meilleurs salaires, ils parlent gagner droit à près de 5 000 $ américains pour capable ou bien démarrer propre activité ou bien si vous avez une activité déjà qui ont été prouvé que vous avez gagné, donc vous capable consolider les pour capable avancer. Et après toute activité ça, il faut nous dire que ce mari prend notre temps. Premier contact qui a remonté à 2020 et travail de démarrer entre INFP et Sofides pour nous être capable de mettre campé pour le projet ça. Et maintenant, nous sommes en phase, nous lancer aujourd'hui là, formation a démarré. Nous démarrons avec la première cohorte là qui est dans le département de l'Ouest. Et l'autre formation pour le faire de manière virtuelle et pour la région. Alors, ça que nous parlons gagner. Comme est extra dans la formation, ça, c'est permettre que les jeunes eux-mêmes jouent nos capacités et en plus de capacités meilleures, ils jouent nos moyens pour démarrer l'activité par eux. Son activité qui a duré 12 jours pour première séance de formation, ça, et après, nous pouvons gagner une formation qui va être faite pour ville de province, et donc Santio, Tanko Cap-Haïtien, Mirbalais, Jérémy, etc. Donc formation, ça pourra être faite virtuelle, Santio capable de gagner. Équipement pour ça, il est capable de gagner Internet à disposition pour permettre que la formation lui-même est capable de bailler. L'autre ville, c'est Cap-Haïtien, c'est Mirbalais, c'est Jérémy et puis c'est Gonaïve. Maintenant, nous sommes dans l'Ouest, ça qu'on est là. Et puis l'infini, nous pourrons aller dans l'autre ville de province. Mais formation, ça, comme on dit déjà, il va être fait de manière virtuelle. Bon, c'est à peine que nous lançons. Ça qui fait content, c'est que. Et finissant de répondre présent, sans vraiment mobiliser, nous avons une motivation que nous avons fait dans ce sens. Donc, tout acteur, à savoir les centres de formation professionnelle, ont participé. Nous avons actuellement là, finissant dans le centre pilote qui est présent là, nous avons finissant dans le centre d'apprentissage Saint-Martin qui est présent. Après ça, dans la deuxième cohorte pour l'USA, nous parlons de JB Damier, nous parlons de le centre de formation professionnelle de Carrefour. Qui pourra le présent. Après ça, nous parlons de l'autre centre en région. Donc, nous sommes très satisfaits pour le démarrage là, bien que l'équipe centre pilote là, on est absolument loin, on est arrivé un petit peu en retard. Mais quand même, nous remercions toute l'équipe là parce qu'on était disposé, mobilisé, on était disposé collaborer pour permettre que, eh bien, première journée, ça, ils ont réussi total. Dernier message là, c'est pour me dire, jeunes, eh bien, pour ne pas quitter, ils entraîné sous mauvaise pente. Qui est capable de gâcher l'avenir. Moi, je pense que la formation professionnelle, secteur ça, bral toujours été bien ouvert à tant nous. Je veux dire, à son expérience pilote, côté nous 150, expérience ça, c'est le bien passé, c'est le bien fait, suivant le résultat que nous pouvons venir de lui. Donc, nous sommes capables de continuer avec lui pour permettre plus de jeunes possibles de bénéficier. Et
les que vous capable de moyens ça subvention ça pour démarrer une activité, nous pensons que la capable profiter pour jeunes et expérience ça nous capable étendre à beaucoup de l'autre centre de formation professionnelle à travers le pays encore, naturellement des centres qui sont accrédités par l'IA. Vous parlez de monter le prix de gaz là, pour qui ça? Il faut nous poser peut-être une question. Si monter le prix de gaz là, à permettre les gens qui sont sortis, les bandits qui mettent dehors, Matissant, rentrer la caille, eh bien bravo PM de facto Ariel Henry. Si monter le prix de gaz là, à permettre les gens qui ont levé aujourd'hui à la route de Jacques Mel, ou de Saint-Marc, ou de Cap, sans pas gagner qu'elle saute, eh bien bravo PM, PM de facto Ariel Henry. Si monter le prix gaz là, à faire produit première nécessité, prix produit première nécessité au décembre, eh bien bravo PM de facto Ariel Henry. C'est ça que fait nous-mêmes dans FND. Nous avons gardé avec une belle lunette. Pas de quelle possibilité pour augmentation prix gaz dans le pays d'Haïti bon pour la population. Si gouvernement, n'importe quel gouvernement qui l'a voulait améliorer les conditions de la vie population, c'est traîner vie pour réduire dans l'État. Trop l'argent à dépenser pour grand merci, pour ministre, pour secrétaire d'État, etc. Trop l'argent dépensé pour ça c'est prix gaz à augmenter. C'est parce que. Il y a besoin de briger la population. Il y a besoin de faire des gens qui sont pauvres déjà, ils deviennent plus pauvres. Pour les gens qui ont le pouvoir, ils deviennent plus riches. Et ça fait qu'ils sont prêts pour négocier tout. Ils sont prêts. Parce que les bourgeois viennent au pouvoir. Pour eux, ils négocier, les conditions de la voie changer. FND, pas dans ça. Nous comptons l'augmentation du prix de gaz là si les conditions de la vie de la population ne changent. Dans le pays, on monte plus de gaz, on va monter plus de gaz, on crée des conditions pour les gens qui achètent le gaz. Donc, on travaille pour faire l'argent. On ne peut pas travailler dans le pays, on ne peut pas déplacer, on ne peut pas déplacer. C'est quoi? Qui bon? Et puis, il y a toujours augmenté le prix de gaz. Ça veut dire, les gens qui montent le prix de gaz, ils peuvent faire bonheur à Ariel Henry comme premier ministre de facto. Ils peuvent faire bonheur tout le gouvernement, tout le ministre, etc., tout le monde qui est dans le gouvernement. Parce que yo de facto, il a profité de l'occasion, parce qu'il y a 2-3 mois devant eux, ou bien au moins, je ne sais pas. Et il a profité de l'occasion pour faire l'argent. C'est l'argent qu'on vient faire, c'est riche qui a besoin de riche, sous deux populations. Tout le monde sait. Nous-mêmes, ouais, tout le monde sait. Nous-mêmes, dans FND, nous condamnons le comportement ça. Nous condamnons. Moun pa pran pouvoir pour gagner l'argent. Moun pa pran pouvoir pour être riche. Moun pran pouvoir pour servir aux populations. Pour servir le pays. Et d'ailleurs, moun pran pouvoir sous base idéologie. C'est comme ça qu'on dirige le pays. C'est comme ça qu'on mène le pays. C'est idéologie politique. C'est vous avez obligé de relâcher l'école à partir de 10 heures. Après 10 heures. Donc c'est l'élève qui n'est pas capable d'aller même au milieu de la croix tout le pays de 2 heures, tout le milieu de la matinée, donc c'est pas suffisant, pas capable de reconnaître trop facile. Donc, mes pédés après, dans l'après-midi, on est venu répondre. Donc, dans jeudi, nous n'avons pas de travail. Vendredi, nous n'avons pas de travail parce que mettre Carlos Sapien pour encore. Dans vendredi, c'est 2 jours de travail par semaine. C'est mercredi et vendredi. Donc, je veux dire, là, nous avons planifié pour nous faire ce que là, c'est en mémoire de mettre Carlos. Donc, mais maintenant, nous n'avons pas de attendement. C'est à Tali, à la Marapon, qui a tellement à fête. Hier soir, ma femme a tellement à fête mercredi. Mais je dis que c'est Jérémy, dans le pays, monsieur, qui a parlé avec lui. Bien que direction va rentrer en contact avec les parents, maman, frère, tout le monde va parler avec les parents. Mais quand même, on a fait tout ça, nous sommes capables avant, en même si on est avant mercredi, après, nous sommes capables en contact avec les parents. Même les élèves ne sont pas capables d'aller dans le terrain. Direction, tout le monde va parler. Parce que traverser Matisse, on va aller Jérémy dans le terrain, donc va être assez facile. Mais quand même, on a fait tout ça, nous sommes capables. Nous sommes capables de rencontrer avec les parents, Maître Carlos. Mais c'est qui court, Maître Carlos, c'est enseigné. Maître Carlos, c'est un professeur qui a travaillé ici depuis l'année 2017. Il était enseigné chimie et NS1 ou NS4. Eh bien, depuis date ça, Maître Carlos a laissé adapter la partie à peu près 5 ans, qui n'a pas rien à reprocher ni dans les yeux de direction, ni dans les yeux
encore professeur, il y a des petits monde encore même, c'est un chouchou pour tout élève qui allait déjà, qui passait dans l'école là, nous sommes présents là. Mettre Carlos reste un demeure, un chouchou pour tous les élèves. Poser de la direction aussi, qui collabore très bien avec tout professeur, qui parle rien ni de bon ni de nos parents, pour que nous puissions respecter, qui est éthique professionnelle, parce que nous sommes contents de parler. Nous sommes dans l'université Inasmo, qui est Inasmo, c'est l'université américaine des centres d'Haïti, qui a étudié sciences chimie et biologie avec Madame Vanessa. C'est avec l'étudiant Madame Vanessa qui sont dans notre direction. Tout ce que M. Carlos est venu en contact avec nous, depuis le mois de février, c'est chimie pour nous. Au début de ça, j'ai été tout à fait familiarisé avec nous ici. Donc, qui va gagner avec vous? Bonjour, nos femmes, c'est Mette l'Hospital. Moi, je suis dans le collège mixte vaisseau des universités. M. Carlos, c'était professeur chimie de 3e à la philo. Qui est arrivé pour le bal 1er décembre 2021, Matissan, pour le fait d'avoir la Kali, Kafou, Zantissous, Paloma. Les fins d'avoir une nouvelle là, c'était vraiment triste nous. Mais dommage qu'un des heures qui ont fait la famille, les familles d'arriver jeudi, c'est qu'ils ont trop tard pour qu'ils te rendent dernier souffle. Ça a vraiment fait nous mal. Tout élève dans le collège mixte, que c'est l'université, n'a pas tapé les apprendre une nouvelle là. Mais c'est dommage de rendre dernier souffle. Monsieur Carlos, Basile, pas seulement professeur, mais c'était un ami, un collègue, un conseiller. Il a toujours conseillé nous pour apprendre, toujours conseillé pour le travail. Il a toujours dit nous que je ne vais jamais remplir le temps de chimie, parce que c'est professeur de chimie. Il a toujours dit nous que les filles travaillent avec nous pour nous prendre à la caille pour nous travailler, pour nous regarder ce qu'il fait avec nous. C'est dommage que bon pas jamais dire, il était bon pour nous. Mais dommage, je retire le souffle 1er décembre 2021, vers 3h. Alors, nous-mêmes, au niveau classe terminale, l'école là, qui ça n'a pas demandé l'État? Bon, ça a demandé l'État, m'a demandé l'État une petite chance. Parce que les gens des jeunes qui ont topé comme ça, ça va faire nous bien. Qui a pris nous bien nous-mêmes, qui a pris tout de ça sur l'école qui va prendre? C'est que ça qui finit. Ça va aider leur éducation à victimes comme ça. Donc, je demande une chance, je demande pitié, parce que je ne suis pas capable de nous souffrir trop. Ça a demandé l'État, s'il vous plaît, nous assez jeunes. Bonne nous chance pour nous vivre. Parce que la majorité élève à mettre la tête. Les filles de l'école, qui s'en va l'apprendre. Les filles de l'école, qui j'ai la vie m'a passé. Donc ça fait nous mal en pire. Nous demandons à l'État une petite chance. Trois examens, trois gourmets, trois discussions dans le temps. Nous devons coucher, manger, chien. Nous demandons pour bonne sécurité. Parce que pour venir l'école, on ne pas en paix. Imaginons que l'école, c'est clé. L'école, c'est clé pour demain. Nous finissons l'école, qui nous sauter. Et nous ne pouvons pas venir l'école encore. Nous demandons pour bonne chance. Bonne chance. Bonne sécurité. Parce que nous ne pouvons pas avec une sécurité encore. Tant que l'État, pensez sur ça pour nous, parce que nous ne sommes pas capables. L'État a choisi de faire n'importe quoi bagaille. Mais depuis la l'éducation, il a choisi d'enseigner nous pour nous venir au monde demain. Merci. Je madame Rochard, pour la prochaine. Dans l'armée, il faut que l'armée, la bataille, pour la bataille, si on a commencé la bataille, on a commencé la bataille, on a commencé la bataille, on a commencé la bataille. Nous avons voulu que nous devions dormir, qu'il y a beaucoup de côté nous. Pourquoi vous êtes boulé côté nous en bas? Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.